Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai reçu pas mal de questions au sujet du végéto LR qui va sortir tout simplement. Donc faut savoir que le végéto LR pour l'instant, on n'a que la première forme qui est sortie. Donc c'est ce végéto là. Et je vais vous montrer tout de suite comment commencer à l'éveiller pour être prêt le jour où il arrivera. On se retrouve tout de suite pour mater ça. Bon, ça sera une petite vidéo qui sera pas trop longue, hein. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc ça c'est la forme de base qu'on obtient en récoltant les pierres Kaioshin, donc avec les missions Kaioshin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va dans les petites missions ici. Bon, on attend que ça charge, hein, forcément. Ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude là, bizarrement, comme par hasard quand je tourne une vidéo. Donc voilà les épreuves de Kaioshin. Alors, vous allez récolter. Par exemple ici, hop, voilà, vous allez récolter ici deux pierres Kaioshin. Donc pour acheter un exemplaire dans le Baba Shop du végéto que je vous ai montré avant, il faudra 20 pierres comme ça. Donc il y a deux exemplaires qui sont disponibles pour le moment. Donc dans le Baba Shop, hein, vous allez ici, hop. Lieu d'échange, trésor. Donc voilà, là vous avez les pierres Kaioshin et vous avez ce que vous pouvez acheter avec. Bon, pour le moment, moi vu que j'ai acheté les deux exemplaires, ils sont plus disponibles forcément. Mais vous voyez qu'il y a des slots de personnages, coups d'équipe, max de stamina, etc. Et aussi des vieux Kaio. Pour le moment, je vous conseillerais de les garder. On sait pas trop si. Normalement, il y aura d'autres exemplaires qui vont arriver. Au cas où on veut le mettre à 100%, normalement, il devrait y avoir 5 exemplaires disponibles au fur et à mesure. Après, ça sera pas forcément des exemplaires à récupérer avec ça, mais bon, je pense quand même. Après, il faudra récupérer les médailles Potara, donc vous savez, les boucles d'oreilles qu'ils utilisent pour fusionner dans les différentes quêtes, comme pour les pierres de Kaioshin, tout simplement. Vous allez les trouver dans tout ce qui est quête impair au niveau des missions, par exemple, ici. Enfin, quête paire, pardon. Donc, on va, voilà le 2, hop. Le 2 ici. Termine un niveau sans utiliser d'objet de soutien. On va récupérer une médaille Potara. Et donc il en faudra 30 pour l'éveiller à la forme supérieure en TUR. Donc niveau 120, c'est la forme avant le LR qui n'est pas encore sorti. Pour l'instant, on peut en récupérer que 21. Du coup, farmer pour l'instant ce qu'il faut. On aura sûrement le reste disponible dans pas longtemps. Il devrait arriver sur la Jab pour les 3 ans. Normalement, il devrait arriver. Sur la globale, je pense qu'on les aura dans les mêmes zones, même si on n'a pas vraiment de détails là-dessus. On a quand même l'artwork qui est sorti. Donc l'image du végéto LR, qui est normalement la bonne. Donc voilà pour cette petite rapide vidéo. J'espère que ça t'a aidé tout simplement. N'hésite pas à liker et à me dire en commentaire aussi ce que tu voudrais que j'explique tout simplement. Des petites vidéos brèves comme ça pour expliquer 2-3 trucs. Ça peut être sympa parce que je reçois pas mal de questions. Il y a mon Twitter dans la description, mon Discord aussi. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à venir. Sur le Discord, il y aura des gens qui seront habilités à vous répondre. Sur le Twitter, quand je suis là, je vous réponds tout simplement. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.